Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Donc, on doit parler à Mordra, la puissante suite au donjon du dernier épisode, donc on lui parle, bonjour. Tiens, tiens, il vous en a fallu du temps. Mon arrière-grand-mère aurait été plus rapide à vider cette caverne. Et elle a plus qu'un bras. Je trouve que ça a été assez rapide en fait, à part le temps où j'ai mis à y aller, bien sûr, les quelques épisodes, les quelques dizaines d'épisodes que j'ai mis à y aller. Je trouve que l'avoir fait était assez rapide. Et maintenant? Droit au but! J'aime ça! Écoutez, je ne fais que vous taquiner, l'ami. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir ici. C'est une réunion des indomptables. Et vous allez être l'un des nôtres. J'espère que vous êtes prêts. Bah ouais. Ouh là là. Devenez un initié, je vais me mettre en face. Écoutez, bande de chiffres molles en dentelle. On a reçu une nouvelle pièce de viande en provenance directe de chez le boucher. On va l'accueillir comme il faut dans le club. Moi, j'ai ce qu'il faut pour faire la fête. Dans ma culotte. C'est peut-être bien un monstre qu'il pourrait vraiment tuer, hein, Jalid? Oui. Toujours à parler de votre culotte. Vous devriez sortir un peu. Et puis, ce n'est pas un accueil très digne. Merci, c'est sympa. Plutôt un toast. Ouais, un banc. Oui, c'est toujours mieux que ce qu'il m'a proposé. Et une chanson. Oh, pas la chanson. À la mère de la nouvelle viande. Puisse-t-elle avoir de nombreux enfants, puisque celui-ci s'en va. À ceux qui aiment la nouvelle viande. Que leurs larmes soient rares et silencieuses. C'est glauque. Je n'ai pas à les entendre quand elle mourra. Au visage de la nouvelle viande, qu'il porte toujours un sourire, pour avoir l'air moins laid, monté sur une... Un beau toast pour un beau quartier de viande. Et maintenant, une chanson pour finir en beauté. Qui ne connaît nulle peur de la lame ou des bêtes? J'ai peur. Indomptable. Qui ne connaît nulle peur des plans d'Edric? Nous sommes indomptables. Qui ne connaît nulle peur de la mort? Quoi? Comment ça? Non, je ne les connais pas. Indomptable. Non, je vous assure, je ne les connais pas. J'espère que vous avez profité du spectacle, l'ami. On est fiers de ce qu'on est. Et vous pouvez l'être aussi à présent. Ben, j'ai des doutes maintenant. Mordra la puissante. Ah, j'adore cette chanson. Et vous chantez ça pour tout le monde, carrément. À chaque nouveau membre. D'accord. C'est une sorte de rite de passage. Vous avez survécu à notre chanson. On peut donc espérer que vous survivrez aux bêtes et aux bâtards qui vous attendent dans les profondeurs. Ah, c'est clair que ça sera plus facile. Pour vous tuer. J'ai plus du mal à écouter votre chanson qu'à faire le donjon. Ok. Voilà. Bienvenue chez les Indomptables. Montrez à Mordra l'ancienne qu'elle peut être fière de vous. C'est pas plutôt Mordra la puissante? Que me rapportera mon appartenance aux Indomptables? Oh mince. Mince. Voilà. Voilà. À part la célébrité, la gloire et le droit de vous vanter de vos moindres faits et gestes, vous voulez dire? Ouais, à part ça. S'il y a bien un domaine dans lequel les Indomptables sont rois, c'est le combat. Restez dans les parages. Vous pourriez apprendre de nouvelles techniques. D'accord. Il y a aussi l'arsenal. On détient certaines des plus belles armes et armures de Tamriel. Elles ont un coût, mais seuls les Indomptables y ont accès. Parfait, que devrais-je faire? Ce qu'on fait tous. Prouvez que vous craignez aucune créature, vivante ou morte. Allez à la rencontre des plus redoutables monstres de Tamriel et affrontez-les. Montrez-leur ce que signifie le mot indomptable. Bien, madame, on y va. Vous êtes des malades. Voilà, je devais le dire. Excusez-moi. Ne le prenez pas mal. Hop. Et donc, au devant de l'ennemi, trouvez le bastion. D'accord. Fille des géants, d'accord. Le passé, d'accord. Ok, donc on a au devant de l'ennemi qui est juste ici. À côté de ce. De ce point de TP. On y va. C'est parti. Après l'arrivée des elfes, il y a eu des conflits dans ces... Et on va aller voir de quoi il retourne. Qu'est-ce qu'elle est moche cette animation.
La pierre de foyer de WoW me manque pour le coup, une fois de plus. On me dirait peut-être. Alors, ah oui, je me souviens de ce camp. Yo l'ami. Ah, une nouvelle recrue. Si vous venez apporter votre aide, nous allons sans doute en avoir besoin. Je cherche Angoff. Comme tout le monde, ami, comme tout le monde. Il est blasé. Nous pourrions nous entraider, mais nous devons d'abord régler quelques affaires. Pourquoi pas? Nous avons littéralement affaire à une invasion de morts-vivants. D'accord. La patrouille balaye la zone, tandis que Gabriel Benel, notre mage primaire, recherche une relique magique. Mais je suis inquiet. Certaines patrouilles ne sont pas revenues. Peut-être qu'elles sont revenues, mais que vous avez pas reconnues et que c'était un peu morte. Voulez-vous que je retrouve les patrouilles manquantes? La garde patrouille du manquante, n'a pas pour habitude de demander de l'aide extérieure, mais les temps sont durs. Jusque-là, elle fait que ça. Hein. Essayez de donner un coup de main aux patrouilles que vous croiserez. Et si vous voyez la mage Benel, tâchez aussi de lui apporter votre aide. Je chercherai les patrouilles et les patrouilles manquantes ainsi que la mage. Merci. Stendhal vous bénisse. C'est parti, je n'ai pas de questions. Cependant, si tu as un vendeur ou quoi que ce soit, il me semble que tu en as un ici, voilà. Oui, mais c'est un vendeur de guild. Vous voulez donc, faire affaire. T'as pas genre un vrai vendeur? Non, forcément, j'ai pas pensé à les vendre non plus, donc j'étais stupide. J'ai ce qu'il vous faut. Très belle épée, madame. Bon bah c'est pas grave. Allons-y, chercher hors du bastion, chercher à la folie de Merovec, chercher à la ferme de Godet. Le Godet. Hop. Alors juste pour information, je ne me rappelle plus du tout de ce que c'est que ce sort. Mutilation, accroît votre agilité, dépend de celle de l'ennemi, réduisant sa vitesse de déplacement. Oh mais elle est hyper cool en fait. Alors attendez. Super stylé à utiliser avec l'arc. Parce qu'elle ralentit l'ennemi et me rend plus rapide. Comme là, regardez. Hop, l'ennemi est beaucoup plus lent. Et moi, je suis beaucoup plus rapide, ce qui fait que je peux complètement reculer plus vite que lui n'avance. Et tu bouffes. Créatures. Je sens que je vais kiffer l'arc, sincèrement. Merci, vous en êtes occupé. J'apprécie, merci. De rien. C'est un joueur. Ok. Parfait. Continuons alors, hein. Écoutez. Oui, je vais franchement kiffer l'arc. Plus que je n'ai kiffé la double épée, en tout cas. Voilà. Hop. Hors de portée, pourquoi pas. On n'a qu'à y aller en mode ninja. Et oui, c'est tout con. Ça fait mal, hein. Oh putain, ça va être bien ce truc. Ferme Godet, ouvrir. J'aurais dû lancer l'épée. Putain, y'a personne. Prendre le fromage. Ah non, nous sommes pleins. Mon dieu. Donc il n'y a personne dans la ferme Godet. Des tomates par contre, hein. Bon bah écoutez, on y retourne. Je les vois. J'arrive. Hop. Parfait.
Wow! Ravi que vous soyez venu. Merci pour le sauvetage rapide. De rien. Merci. Il y a une quête juste à côté. Il y a un campement. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Y'en a qui ont l'air dans la merde. Étranger, aidez-moi. Tes potes allongés derrière me font chier. Par le sang des aïeux, les sbires d'Angoff sont impitoyables. Tout à fait d'accord. Que s'est-il passé ici? Nous travaillons avec la mage Benel. J'ai perdu sa trace quand les zombies ont attaqué. Il ne reste plus que moi. Ces adeptes profanent nos morts. C'est une insulte à Tuaka. Malheureusement, oh là là. Mes blessures m'empêchent de me battre. Je peux vous aider, qu'attendez-vous de moi? Les adeptes de Sangrépine profanent les cadavres des soldats. Oui, j'ai bien compris. De la garde du lion dans les ruines. Ils les transforment. Ah bon, en je croyais qu'il est sodomisé, d'accord. Utilisez mon emblème pour sanctifier les corps. Ils seront alors protégés contre cette malédiction. Putain, c'est si facile que ça. Je ferai ce que vous me demanderez. Why not? Il est beau, celui. J'aime pas le détecter. Hop. C'est con, hein. Oh, petit glyphe vital, je ne peux pas. Au passage, mon arc, il est vert. Il est vert, c'est presque dommage. J'ai des glyphes, normalement. Matériaux, je n'ai plus. J'en ai plus. C'est possible. Consommable, peut-être. Consommable, apparemment, j'en ai pas. On va prendre un petit whisky. Ah si, c'est là. D'accord. Oh, un arc de foudre, ça pourrait être classe. Niveau 5 à niveau 15, parfait, bah je pourrais. Enchanté. Ah. Ah voilà. Ouh. Ouh. Tiens. Ouf. C'est con, hein. Ok, j'aime cet arc. What? Éclaireur de Guénombrie, pourquoi? Raté. Tu es trop lent. Avec quoi? Voilà, ça t'apprendra. Utiliser, d'accord, c'est sur eux. Pourquoi pas? Toi, tu es béni, c'est cool. Sois béni. What? Fitting. Salut mon pote. C'est un humain. Et il a un vasard, pourquoi pas. Toujours rien là-haut, j'imagine. Putain, va y avoir quelque chose. Nom de Dieu. Alors,